Tous ces amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube du coup. Et donc là, on est en train de sortir des bêtes, mais bon, c'est fait. Et en fait, simplement, on va en rechercher, et on va en ramener. Voilà. Allez, à toutes. Alors le moment très attendu pour moi, donc du coup de mettre des cloches, parce qu'en fait, j'adore les cloches et je trouve ça super beau. Et donc pour moi, toutes les vaches qui partent pas dans les montagnes ou quoi, on en a. Parce que dans les montagnes, c'est impossible à retrouver. Donc voilà, donc là on en a une. Ça c'est des colliers pour les montagnes. Et on en a plein d'autres, je vais vous faire voir vite fait le stand qu'on a en gros. Non, en attendant, je vais pas faire de cut, je vais vous montrer vite fait les vaches comme ça. Désolé pour la qualité, hein, voilà. Faut juste que je m'arrête parce que du coup je filme toujours avec un tel, donc voilà. Toutes les mères. Et donc le stand de cloche. Et on en a encore ailleurs, je sais plus où. Je sais plus où elles sont les autres. La plus grosse, c'est là. C'est un collier pour la montagne. Voilà. C'est assez belle, moi, je trouve. Donc, il y en a pour des jeunes vaches, il y en a pour des adultes. On en met même par les velles qui ont même pas un an. Ou qui ont des fois 3 ou 4 mois, des fois on en met. Hein. Pas des bestioles comme ça, là, on en met des petites cloches. Mais il faut que ce soit une femelle et qu'on la garde. Comme ça. Comme ça, elle sera fière. Elle vous tétait le doigt. Voilà. Elle, je pense, elle va pas sortir. Enfin, même, c'est sûr, elle va pas sortir parce qu'on sort que des mères. Donc, voilà. Et donc, voilà. Il y a les sonailles. Du coup, c'est là où je vais faire quelques petits plans sympas. Du coup, quand les bêtes vont sortir dans le corral, puis après être embarquées dans la bétaillère qui est là-bas. Voilà, voilà. Donc on attend qu'elles sortent, allez. Voilà, le chat. Ouais, elles sont contentes, elles sont pas sorties tout l'hiver, donc voilà. Elles pètent un peu des câbles. Mais bon, c'est normal. Et on attend l'autre. Elle se doute. Voilà. Ouais. Donc voilà, ils vont mettre les cloches de toutes les bêtes et tout ça. Donc voilà, il faut savoir que pour les cloches, c'est pas toujours facile de leur mettre car des fois elles bougent un peu de la tête ou. Parce que normalement on n'a pas de problème avec ça parce que c'est assez gentil nos bestioles. Et donc tout simplement voilà. Donc en général ça, moi c'est la plus belle, c'est pas la plus grosse mais c'est la plus belle. C'est marqué Auvergne dessus. Et voilà. Donc, ça c'est pour une bonne mère, pour un peu chef de troupeau, voilà. Ça c'est pour normalement une jeune ou une petite bête, voilà, qui pas. Ça c'est pour une mère normale, voilà. Et ça pareil, voilà. Donc toutes les cloches qui sont un peu formées comme ça, c'est-à-dire celle-là, 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 à la rigueur, on les met plus sur des vaches au brac. Et des cloches qui sont un peu ovales, enfin je sais pas comment vous dire, des cloches qui sont par exemple, qui sont un peu, j'ai envie de dire difformes, mais même s'il n'y a aucune cloche difforme, et ben par exemple celle-là, et ben on la mettra une abondance, voilà. D'ailleurs c'est celle qu'elle avait l'année dernière, celle-là. Donc on lui a mis ça ce matin pour éviter qu'elle tète les autres, parce qu'elle aurait limite tendance à têter de temps en temps. Et voilà, allez, à toutes. Regardez-moi ce beau résultat. La cloche que j'aime bien avec la vache. Du coup, voilà, celle-là, elle a une cloche. Ouais. 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 Hop, la porte. Allez. Allez, griffe. Ça arrive. Attention, attention. Voilà.
faire. C'est parti. Voilà les amis, je vais me positionner par là pour faire quelques beaux petits plans, tout simplement. Voilà, rien de plus. Voilà, comme ça, ça sera nickel. C'est gentiane. C'est celui qui a la grosse cloche là. Là, là, voilà, voilà, les purées. Moi, je suis mon petit flanc. Petit plan. Je vais essayer de tourner, tourne avec elle. Tourne. Là, regarde, tu peux bien les deux autres. Regarde, et la gentiane, regarde la gentiane. Jean-Fian. Il comme toutou. Lui, il doit se demander qu'il y arrive. Il a le temps de... Et Jojo. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et vous savez comment faire plaisir, hein, voilà, c'est tout. Et m'envoyer des messages et tout. Et donc, allez me suivre aussi sur Facebook, Instagram, j'ai, mais j'y vais jamais. Mais allez me suivre sur Facebook et je répondrai. C'est Célestin Thomas et vous me suivrez en MP. Et puis voilà. Vous me poserez des questions. Et... voilà, je vous répondrai. Allez, à plus les amis. Ciao!